Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Merci de votre fidélité. Mercredi 30 août 2023. Espoir Moïnouk avec nous. Espoir, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Avec nos armoisiers, nous allons bien. D'accord. On commence par les Gabons. Un autre coup d'état en Afrique. En tout cas, c'est un pays, le Sahel, mais c'est l'Afrique centrale qui est touchée. Bon. Pour nous les Africains, les coups d'état, c'est pas notre mode opératoire, mais si c'est obligé, on le fait, puisque les Africains sont fatigués d'être dirigés par les dirigeants envoyés par l'Occident pour dominer l'Afrique uniquement que dans l'intérêt de l'Europe et l'Occident. Ce que j'encourage et je félicite ces militaires qui ont décidé de mettre les trentenaires au pouvoir à l'écart. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est compliqué. C'est la fin de la France, apparemment, en Afrique. C'est un devoir moral et que nous sommes obligés tous de soutenir ces jeunes Africains. Parce que quand j'ai vu le général gabonais qui a accepté de mettre Macron à l'écart, puisque quand on parle de Macron, on parle de monsieur l'homme des trentenaires. Son père fut président et lui, puisque son père avait pris retraite en 2009 et le fils avait pris. Et puis comprenez, un fils paralysé qui domine et puis un fils déclaré mort, voyez-vous. C'est que nous pensons que les jeunes ils doivent comprendre qu'il y a un devoir majeur de sauver l'Afrique. Et le président trentenaire, il ne nous reste que monsieur Sassou Nguesso, Kagame et Museveni. C'est qui le prochain sur la liste? Je ne suis pas prophète, mais j'aimerais que ce soit Sassou Nguesso, Museveni et Kagame. Ah, pourquoi? Non, puisque ce sont les trentenaires. Au Congo, moi, je pense, nous sommes dans la logique de sauver et sauvegarder la dignité africaine. Mais c'est compliqué avec ces coups d'État, ça fait les reculs de la démocratie. Il n'y a rien de compliqué, puisque ce sont les jeunes qui veulent mettre l'ennemi à l'extérieur. Et l'ennemi du continent aujourd'hui, c'est M. Emmanuel Macron. Et il faut mettre Macron à l'extérieur, c'est simple. D'accord. Ok, on rentre chez nous à Goma, M. Espoir Moïnouka. À Goma, c'est compliqué. On a vu en tout cas la manifestation qui, je ne sais même pas s'il faut dire manifestation, mais la situation était confuse toute la journée à Goma. Qu'est-ce qui s'est passé à Goma? En fait, moi, je pense que nos services de sécurité, défense et renseignement, il faut les chasser puisque il y a certaines personnes qui sont dans nos services qui ne maîtrisent même pas l'histoire et qui ne veulent même pas se renseigner puisque ce que nous avions vu aujourd'hui, c'est catastrophique. Et moi, je pense que ça bénéficie à l'ennemi qui est bénéficié à la province ou bien à la République. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. Vous étiez président, vous aviez fait les terres. Je vis. Vous savez la situation. Vous savez, la lucha RDC Afrique, nous sommes un mouvement purement apolitique. Et nous sommes un mouvement qui respecte les conditions et nous respectons à toutes les religions. Et ce que moi je vis aujourd'hui, vraiment ça me met vraiment une boule au ventre, puisque je ne comprends pas s'il fallait abattre même les enfants, les femmes non armées, tout simplement puisque ils seraient de telle ou telle autre secte, voyez-vous. C'est que pour moi, je n'étais pas content de ce que je vis, puisque aujourd'hui la ville compte des morts et des blessés, or ce n'est pas ce qui devrait se faire. Mais aussi, je ne condamne pas normalement nos forces. Les personnes qui ont diffusé des messages inutiles, comme quoi les Wazalendo non armés seraient payés, non armés avec les armes à feu, précisons, seraient payés par les Rwandais, notamment les Ricky, les Jimmy et les autres. Ils ont fait ça uniquement que pour désorienter le gouvernement militaire, désorienter l'armée en fait de commettre des meurtres. Voyez-vous.
Et moi, je pense, j'appelle vraiment les gouvernements congolais de bien voir les personnes qui ont lancé des messages et les personnes qui sont arrêtées, interpellées. Il faut bien les interroger. Puisqu'il y a des femmes et des enfants qui ne maîtrisent même pas ce qui se passe. Ouais. Voyez-vous? Et moi, ça me fait mal. Tellement ça me fait mal. Mais on a vu des gris-gris, les gens. Mon cher ami, armés, ce sont des bateaux, des lances, des machettes. Avoir des bateaux, des lances, machettes. Machette ne signifie pas AK-47 PKM. Mais c'est une arme aussi. Oui, je sais, ce sont des armes blanches. Ouais, et puis, ils avaient annoncé leur manifestation. C'est contre la MONUSCO et l'EAC. C'est pas contre la République. C'est pas contre la République. Et moi, c'était un combat de tout Congolais, apparemment. Nous sommes étonnés de voir que l'armée, ils auraient abattu même les civils non armés. On prend quelqu'un dans une radio, on l'abat devant la radio. Et les gens pensent que ça c'est normal. Ils ont travaillé pour l'ennemi. Et moi, je pense que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, quelqu'un qui comprend normalement. Qu'est-ce qui vit sa population? Qu'est-ce que nous avons? Puisque depuis que le Congo a été créé, c'est maintenant que nous avons un chef de l'État qui comprend quelles sont les douleurs. C'est maintenant que nous avons l'armée qui comprend qu'est-ce qui vit sa population. Mais malheureusement, certaines personnes qui s'appellent leaders du Nord Kivu, ils ont induit en erreur notre armée. Ils ont induit en erreur le chef de l'État. Ils ont induit en erreur nos services de sécurité et renseignement. Mais aussi, je condamne nos services de renseignement et sécurité. Les Riki et les autres, ce sont des personnes arrêtées. Et j'assume. Comme ils se croient des criminels, ils peuvent aussi m'abattre. Moi, je m'en fous. Mais ce qui est sûr, l'armée, la police, nos services de défense et sécurité, ils ont été induits en erreur par 4 ou 5 personnes, puisque leur combat, c'est l'état de siège. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les induire en erreur. Et ils ont fait ça. Et l'armée, ils sont tombés dans leur piège. Riki a dit, les Wazalendo non armés sont payés par les Rwandais. Il faut qu'on les traque. Ils doivent montrer des preuves. Riki, vous parlez de Riki, les Riki à Goma. Bon, j'ai un ami d'Indima, un ami de je ne sais pas qui est qui. Mais c'est les gars que je vois en train de gérer, de blâmer les autorités à Goma. Je ne sais pas, puisqu'il se pourrait qu'ils jouent la même carte. Moi, vraiment, j'ai de larmes aux yeux. D'accord. Puisque ce sont les jeunes. Des morts et des blessés lors des manifestations contre la mission onusienne ce mercredi à Goma. Puisque les jeunes ne veulent plus de la MONUSCO, les commandants de l'opération mettent en garde pour la toute dernière fois quiconque se permettrait une fois d'attaquer la MONUSCO, de se livrer à la pareil MONUSCO. Non, pas attaquer la MONUSCO. Non, pareille activité, c'est de dire... Tout ces militaires s'attaquer aussi à la police. Non, personne. Il y a les éléments de la police. Exactement. Je condamne ces actes. Et ceux-là qui ont tué les éléments de la MONUSCO, il faut demander à Riki, à Jimmy, à Wanapua. C'est eux qui peuvent savoir, puisque ces jeunes Wazalendo non armés, ils avaient les radios depuis 2019. Et avant cette agression rwandaise, voyez-vous. Et moi, je connais, il y a quelques complots un peu tribalo-ethniques, voyez-vous. Mais moi, ce que je pense est que l'État congolais doit prendre ses mesures pour sécuriser la population. Puisque nous, on ne comprend pas. Moi, j'ai vu devant moi une femme qui ne maîtrise même pas ça, touchée par une balle. Et les gens pensent que ça, c'est normal. C'est anormal, voyez-vous. C'est que moi, je pense que tous ceux-là qui sont arrêtés, il faut les interroger. Ceux-là qui ont donné des messages que les Wazalendo non armés, appelés église messianique, quelque chose comme ça. Messiata comme ça. Messiata, puisque elles disent que les Africains, nous devons nous libérer contre une main noire occidentale qui ne veulent pas laisser les chefs de l'État, les autorités, travaillent pour l'intérêt de la République. Et les ennemis sont partis dire au gouverneur militaire que ces gens sont payés par les Rwandais. Comme vous savez, nos services de renseignement ne travaillent pas comme il fallait travailler. Ils sont partis et ils ont fait ça, ce qu'ils devraient faire, voyez-vous. C'est que moi, je pense, ils veulent uniquement que salir notre armée, notre police et nos chefs de l'État. Mais nous pensons, les Congolais, prenons-nous en charge. Tous ces gens-là, qui ne veulent pas voir le Congo se développer, c'est vraiment, il faut prier pour eux.
Les forces de défense et de sécurité ont pris toutes les précautions et ont stoppé professionnellement les aventures de ces faussaires de troubles jouant les jeux de l'agresseur M23 RDF, dit l'armée. Il fallait arrêter ceux-là qui ont donné les messages, mais pas ceux-là qui ont arrêté dans les églises, pas ceux-là qui ont abattu le matin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand moi j'ai vu une femme, je ne sais pas qui son nom, le matin, son corps gissait, sans armes sur elle, je ne sais pas quoi. Non. Ce que moi je pense pour notre professionnalisme, c'est que pour les professionnels de notre armée, police, il ne fallait pas communiquer de cette manière. Et nous assumons, puisque nous personnellement, on se bat pour notre République. Malheureusement, aussi, je crains que même au sein de l'armée, il y aurait des infiltrés qui peuvent commettre des gaffes uniquement que pour faire porter ça à notre armée. Et vraiment, je pense, nous demandons des enquêtes purement indépendantes pour les personnes abattues, tuées par l'armée et par d'autres personnes dont nous ignorons encore. Et pour nous, vraiment, ça nous fait mal. Ça nous fait mal de voir que des personnes peuvent être abattues comme ça, comme des chiens. Des femmes, des... J'ai même un enfant de 5 ans atteint par balle. Est-ce que nous... Non, c'est pas ça. L'armée a communiqué à l'heure actuelle, les bilans provisoires se présentent comme suit. Dans les rangs des forces de défense de sécurité, un policier lapidé à mort et plusieurs blessés du côté FARDC. Dans les rangs des adeptes, 6 morts et quelques blessés et 158 personnes arrêtées. C'est faux puisque c'est pas seulement 6 morts dans la ville de Goma. La ville de Goma, ils ont enregistré une cinquantaine de morts, abattus à bout portant par l'armée. Et, bon, je ne sais pas, mais la population aimerait voir ça du côté M23, pas du côté population. C'est ça ce que la population voulait. Quelqu'un qui a une flèche, par exemple, et qui s'est dit, nous voulons partir à la Monisco, mais il faut les voir et les dire, non, désarmez-vous, déposez vos flèches. Si vous voulez la Monisco, partez à la Monisco, que ne tirez sur rien à bout portant. Nous avons payé nos taxes et impôts pour l'armée et la police. Pas seulement pour abattre nos compatriotes. Nous, ça nous fait mal. On dit que les compatriotes ont joué les jeux de l'ennemi, est-ce pas? Non, avec moi, on a un seul combat. Je sais, l'armée, avec... Je sais, ils ont été induits en erreur. Les personnes qui ont communiqué ça à l'armée, ils les ont trompés. Il y a des personnes derrière ça. Ils ont trompé notre armée et notre police. D'accord. Merci, Spar. On va changer ce chapitre parce qu'il y a plusieurs actualités aujourd'hui, notamment de cette acte sur les députés Edouard. Doit faire boire chouchou. Les avocats, en tout cas de la défense, plaident son acquittement pour manque de preuves. Manque de preuves. On a arrêté Makachouchou, pourtant il n'y a pas de preuves. Hein. On attend voir s'il y a manque de preuves. Attendons voir. Mais moi, je crois que c'est aberrant que les avocats disent ça, à moins qu'ils ne soient pas congolais. Mais s'ils sont congolais, il y a beaucoup de preuves. Il y a des personnes qui gisent ici, à la morgue ici, depuis 2019. Je ne sais pas qu'il y a des preuves que les avocats veulent. Mais on comprend, vous savez, en droit, qu'est-ce qu'on dit? On a le devoir de défendre l'avocat à tout prix. Non, le client à tout prix. Et ils défendent leur client. Et c'est tout à fait normal. C'est au ministère public de bien défendre aussi la République. Voyez-vous? C'est que on ne peut appeler qu'à notre justice de bien faire son travail. Bon, à moins que ce soit des magistrats qu'on va aussi radier, qui vont laisser et lâcher cette histoire. Mais c'est compliqué cette affaire aussi. Non, il n'y a rien d'être compliqué. C'est tout simplement puisque, vous savez, l'argent, les gens aiment beaucoup l'argent que les républiques. Et moi, si demain ou après-demain, j'entends que tel a été libéré, on va comprendre. Il a été libéré puisque il a payé toute une somme. Mais c'est pas puisqu'il a, il a été innocent. On attend voir. Mais c'est terrible ça. Il n'y a rien de terrible. Mais quand même, il mérite une libération parce que vous savez, si jamais la justice n'a pas assez d'éléments, pourquoi pas ne pas les libérer? Mais si la justice n'a pas d'éléments, libérez-les. Et s'ils ont des éléments, on l'arrête. Point barre.
Parce que les cas des députés, on parle qu'il s'agit des acharnements, les gens s'attaquent à lui parce qu'il est d'une communauté X. La chiffre, les Tutsis, parce qu'ils savent que les Tutsis sont dans les mêmes endroits. Non, lui c'est un premier président, c'est l'ancien président du CNDP. CNDP père des 1-23 A et B. Voyez-vous. Mm-hmm. Ça n'a rien à faire avec ce qui s'est passé dans la ville de Goma, puisque les gens veulent marier. J'ai vu quelqu'un qui a publié, voilà, les chiens sont tués. Non, c'est pas ça. Voyez-vous. C'est que les gens ne peuvent pas marier, cette histoire. Voyez-vous. Mm-hmm. Et moi, je pense est que il faut vraiment dissocier les choses. Et Mangachuchu sera puni s'il est coupable. Et s'il n'est pas coupable, il sera relâché. Mais moi, je crois qu'il devrait, en principe, répondre de ses actes. Et loin de ce qui s'est passé dans la ville de Goma aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, il y a les jeunes abattis, uniquement puisqu'ils avaient des flèches sur eux, pour partir à la Monisco, en fait, de manifester pour dire à la Monisco de rentrer. Et l'armée, la police, ils sont au courant que ces jeunes ne sont pas armés. Tout simplement, puisqu'il y a quelques individus qui sont partis mentir à l'armée, à la police, au chef de l'État, au chef d'État-major, que non, telle histoire, mais non. Mm-hmm. Et quand j'ai tenu langage avec un officier aujourd'hui de la garde républicaine, qu'est-ce qu'il m'a dit? Aspirine, ces gens, ils étaient armés. J'ai dit, ah bon, mais quand, si ils étaient armés vraiment, il fallait les neutraliser. Mais s'ils n'étaient pas armés, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il fallait. Est-ce que nos services de renseignement, des jeunes, sécurité, des MIAP, quels sont vos travails? Et moi, je pense, tout est à refaire. À refaire comment? Vraiment, je manque les mots. Alors, merci, Espoir Meloka. Alors, vous savez, on va revenir sur ce sujet par rapport à la manifestation aujourd'hui. À chaque fois, il y a des marches à Goma contre l'ONU. Ça se solde toujours par des morts. Qu'est-ce qu'ils font? Quelles mesures qu'il faut prendre? Nous appelons la population de se préparer, prendre tout ce qu'il faut, même les moyens de bord, et faire partir la Monisco, puisqu'ils ne sont pas là pour aider la population. Ils sont là uniquement que s'enrichir, voler nos minerais, s'ingérer dans la politique congolaise. Malheureusement, l'armée, ils n'ont même pas compris. Les autorités, autres autorités, même chose. Mais je ne sais pas si cette idée serait venue du chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi, quelqu'un en qui la population croyait qu'il était le Moïse de cette république. Mais pas croyait, on sait toujours qu'au-delà de ça, le président se soucie toujours du bien-être des Congolais, il fait toujours protéger les Congolais, c'est parmi sa vision, ça on le sait, restaurer la paix, la sécurité dans la partie est, et surtout en proie des violences depuis plus de 20 ans, monsieur Mounoka. Ces gens, ils n'existent pas plus de 20 ans. Ces gens, ce sont des jeunes uniquement qui se disent que la Monisco peut avoir des affinités avec les égorgeurs, avec les agresseurs, voyez-vous. Et moi, je pense, avec ma main droite au cœur, je présente d'abord mes indignations. D'aider, je présente. D'accord. Avec, on va se quitter par... oui, Espoir, vous vouliez dire? Avec nos regrets et nos condoléances à la famille des victimes. Voilà, et courage à ceux-là qui sont arrêtés. Les gouverneurs présentent également ses condoléances aux familles des victimes. Espoir, on va se quitter par... Si moi j'étais le gouverneur, le général Kostandi Makongba, j'aurais déjà arrêté. D'accord, merci. C'est là qui ont propagé le message qui sont corrompus par les Rwandais, puisque le gouverneur a été induit en erreur par les services de renseignement qui ne comprennent même pas. L'argent que l'État décaisse, cet argent se tourne contre la République. Mm-hmm. L'État paye cet argent. L'État vous paye pour bien vous renseigner. L'État ne vous paye pas pour tuer. L'État ne vous paye pas pour attaquer les innocents. L'État ne vous paye pas pour attaquer ceux-là qui ne veulent plus voir la Monisco sur notre sol. L'État vous paye uniquement que bien vous renseigner et bien mener vos opérations. Imaginez un enfant de moins de 10 ans dans les mains de sa maman qui succombe inutilement.
Un enfant de moins de 10 ans qui succombe par une balle soi-disant perdue. C'est impossible. D'accord, merci. C'est impossible. On rentre un peu au Gabon, la situation reste toujours tendue. Un message à d'autres présidents africains, c'est tous ceux qui veulent s'éterniser au pouvoir. Les trentenaires, et là je cite sans vergogne, Paul Kagame, Museveni, Monsieur Denis Sassou Nguesso, continuez, il y a les jeunes dans votre âme. Il y a aussi la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Il y a les jeunes, Monsieur Paul Biya, il y a les jeunes dans votre armée. Continuez. Ils vont récupérer ces places-là. Mais ces militaires aussi veulent faire le recul de la démocratie. Hein? Non, ce n'est pas la démocratie. Il faut sauver l'Afrique. Pas une démocratie à la française. Non, ce n'est pas ça ce que nous voulons. Nous voulons la démocratie africaine. D'accord. Merci Espoir. Mais nous, on se retrouve demain, jeudi, voilà, pour un nouveau numéro. Vous savez que tu peux avoir ton numéro de téléphone. Le plus 243-9-90-66-42-08. Merci, bye bye. 09-90-66-42-08. Bye.